Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. La Vérité Présente est contente de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 8e leçon de l'École du Sabbat intitulée Éducation et Rédemption. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue au programme. Et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Wilfried Louis-Jean de prier pour nous. Notre Dieu, notre Père, nous infiniment reconnaissants pour le privilège que nous avons, Seigneur, pour nous capables ensemble pour nous débattre la 8e leçon de l'école du sabbat de ce trimestre. Nous demandons dans le nom de Jésus pour capables bah nous Saint-Esprit, capables éclairer nous. Capable de plus connaissances, donc capable expliquer à ton peuple, permettre que le son ça au Seigneur, capable permettre que nous fassions provision pour vie éternelle. Non. Bénis moment ça et bénis nos auditeurs, nos auditrices, nos frères et sœurs à travers la terre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous suivez La Vérité Présente, un programme hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'École du Sabbat. Aujourd'hui, nous vous présentons la 8e leçon intitulée « Éducation et rédemption ». Selon le verset à réciter que nous trouvons dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, il est dit de Timothée chapitre 3, le verset 16, il est dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre et pour nous conduire dans la justice. » Mes chers amis bien-aimés, frères et sœurs, chers collègues, la Bible raconte-nous l'histoire sur Dieu. Ou l'histoire sur Dieu et son peuple. En pile fois, nous voyons l'histoire de la Bible comme une histoire d'amour. Et en pile fois, nous voyons l'histoire de la Bible comme l'histoire d'un père aimant et de ses enfants qui rebellaient et qui finit par retourner à parents. Cependant, nous sommes capables de comprendre que le récit de la Bible lui présenter à nous-mêmes l'histoire humaine. C'est à travers l'histoire de la Bible nous sommes capables d'arriver à connaître une image de Dieu. Nous sommes capables d'arriver à l'image du plan de la rédemption que Jésus-Christ lui fait pour nous. Cependant, la responsabilité humaine dans la relation que yo gen avec bon Dieu, c'est un bagay en pile monde. Parfois, yo comprend ni, parfois, yo gen doute sou li. Mais ça qui est important, nous capables de comprendre que li bon, li un bagay qui est vital, li un bagay qui est impératif pour que nous autres humains, chrétiens, pour que nous apprenons à connaître bon Dieu. Pour que nous apprenions à connaître bon Dieu. Et c'est ça l'éducation. L'éducation chrétienne, fondamentalement, il y a une éducation qui doit instruire nous sur la grâce de Dieu, sur le plan du salut. Donc, qui Jean bon Dieu sauver nous. C'est ça l'éducation chrétienne. Et au cours de cette semaine, nous allons voir en pile phase dans l'éducation chrétienne qui est capable d'aider nous à gagner une bonne compréhension du plan du salut, gagner une bonne compréhension de l'amour de Dieu pour l'humanité. Voilà pourquoi, dans la première partie, qui parlait de à l'image de Dieu, j'ai demandé à Pasteur Wilfried Louis-Jean pour que le capable banon, basamite spectateur, y ait plus de détails sur la première partie à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. C'est un thème non habitué. Et si nous lisons en Genèse, chapitre 1er, les versets 26 et 27, et Genèse 5, 1 et 3, nous sommes capables de texte ça, yo enseigner que l'humanité à l'origine
nous arriver à l'image de Dieu avant le péché. Dans la Bacali, tout de bon, nous m'appelions seul, Genèse 1er 26-27, qui dit « Dieu créa, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les poissons du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Expression ça, à l'image de Dieu, li captivé en pile attention, en pile intérêt, bon côté monsieur, grand monsieur, qui gen PhD, elle tout dio dans théologie. Qui ça veut dire créé à l'image de Dieu? Premier humain yo, Adam avec Ève, bon Dieu créé yo à l'image. Gen pile question qui posait, qui demandait, est-ce que moun sa yo, Adam et Ève, bon Dieu prend une glace, un gros glace, li mette campé, li gade Jean lié, et puis le fait yo. Il y a qui pensait, est-ce que mon Dieu juste fait référence à une simple spiritualité, une image spirituelle que lui créé ou intellectuel, lui créé Adam avec Ève. Bon, il y a des gens qui pensaient encore capable faire référence à une similitude, pas vrai, quand bon Dieu créé et être humain intellectuel, il y a une compatibilité. Ça veut dire entre nous-mêmes à bon Dieu, il y a quelque chose qui marchait ensemble. Est-ce que ça veut dire? Bon, à la vérité, la Bible pas expliqué 100% comment ça veut dire créer à l'image de Dieu. Mais lorsque préparons-nous au péché, la Bible dit que nous perdons l'image ça. Ça nous capable comprendre, pasteur Étienne, c'est lorsqu'on regarde Adam qui a vécu 900 combien de temps, Abraham qui a vécu longtemps, mais nous-mêmes nous vivons seulement 80, 90, nous mourons plus bonheur. Et là, on regarde tout le temps, mais ça a été comme fait. Au terme gérant ça au terme nous-mêmes nous réduit, donc ça veut dire nous pas quel bagage qui perdit dans nous-mêmes. Maintenant Ellen G. White dit après le péché l'œuvre de l'éducation vient d'un objectif, vient d'un but, vient d'un goal, c'est pour recréer en nous-mêmes l'image de Dieu qui était perdue. Maintenant depuis alors bon Dieu lui-même Dieu oblige lorsque nous prenons aussi monde avec yon grand monde, les bon papa ou petit ou mettez ensemble, papa ta toujours mes petites l'assemblé, parler de lui même, sans bien avec. Quand vous même l'aime camper avec des ouen, nous font photo, non, mais qui est-ce qui papa qui est ces petites là? Donc ça fait que vous content, petit ou semblé avec vous même, ou même éducation gagne, même j'en pas agir dans les tibou nan agir comme ça tout, donc vous content. C'est même réaction ça qui gagne entre bon Dieu avec nous même. Bon Dieu, nous c'est petit bon Dieu, nous créer pour nous capables vivre dans la famille de Dieu. Nous créer à yon image plus mentale. Qui capable une relation entre nous-mêmes avec bon Dieu. Donc bon Dieu qui a parlé avec nous, bon Dieu qui a éduqué nous, bon Dieu qui a formé nous et bon Dieu nous capable vivre même gens avec bon Dieu. Donc nous non non Dieu lui-même lui gagne image mentale là nous-mêmes, nous que des êtres là prenons être divin et lorsqu'on prend être humain, on mettez ensemble. Ça va une belle picture de comment nous capable vivre ensemble, nous capable l'homme dans même bagage. Donc c'est ça qui crée à l'image de Dieu. Donc l'histoire de la rédemption, c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire de formation. Depuis la création jusqu'à l'incarnation, depuis l'incarnation jusqu'à la récréation, et bien bon Dieu en tant qu'enseignant, l'a éduqué nous, l'a formé nous pour image ça que nous perdit après le péché, pour nous capable retourner pour image ça encore. Bien, et selon gens que me comprendre ça que me capable dire aussi. Créer l'image de Dieu, bien que on déjà dit que c'est dans le sens spirituel, la spiritualité. Créer l'image de Dieu, puisque bon Dieu est saint, parce que le créer nous, il a créé nous parfait. Ça veut dire, en nous mettant comme ça, nous sommes saints. Premier Adam et Ève, premier parent nous, ils étaient saints parce que étaient sans péché. Donc dans le sens ça, ils ont créé l'image de Dieu. Donc puisque ils viennent pécher. Maintenant, ils ont perdu la sainteté qu'ils ont gagnée. Ils ont perdu lui. Ils ont pas holé encore. Maintenant, l'image de bon Dieu, lui complètement sorti dans yo disparaît. Donc c'est ça que fait lorsque Christ retourne, les nous sauver,
Donc, nous capables reprendre encore, rejoindre encore l'image de Dieu que nous t'ai perdu hein, parce que nous sommes sans péché. Yeah, c'est ça qui est à dire, le plus mental. Ça veut dire, lorsqu'on prend un divin ou un humain, on met ensemble, il y a une possibilité à cause de relations pour qu'on aller marcher ensemble. C'est ça fait bon Dieu capable de créer dans nous-mêmes, il est capable d'éduquer nous, il est capable de former nous pour nous retrouver l'image ça qui est perdu. Mais je viens de dire l'autre bagarre encore que je comprends. En pile, monde pensait que lorsqu'on crée à l'image de Dieu, même genre, on a deux yeux, on a main longue, ou gen pied, donc ça veut dire que au créé à l'image de Dieu ou gen même bagaille ça yo, mais pas oublier que Dieu est esprit. Yeah. Yeah. Dieu est esprit, donc c'est dans le sens spirituel que nous devons prendre. Amen. OK, pasteur Dimi, sont capable dans le leçon lundi a qui parlait Jésus enseignant. Dans le leçon lundi a Jésus enseignant dans toute la Bible ou bien parler de l'Ancien Testament à Nouveau Testament. Il y aurait le Jésus admirable, conseiller Dieu puissant, Père éternel, et il décrit comme fils de Dieu, Messie, le fils de l'homme, le sauveur, rédempteur, le Seigneur, l'agneau de Dieu, pour nous citer quelques. Mais au bout de nos cœurs dans le son, ça, même monde qui était plus proche avec Jésus pendant ce terrain, dans le ministère spécialement public, mais en Judée, en Galilée, il était vraiment... Il était tellement au coup qu'on a une relation près à lui-même, il était classifié Jésus comme un enseignant, comme un maître ou bien rabbi, qui deux mots ça qui rivait avec nous, le sens de Jésus, comme des rabbis, dit Jésus, son pédagogue, que lié parce que lié savoir, manière d'enseigner. Mais le son lui dit que déclaration ça, dans l'enseignement Jésus-Christ, avec ma façon que particulièrement qui est appropriée avec Jésus, qui mettait nous en comprendre que ministère public Jésus, nous façon notre, car nous comprendre que deux bagailles ça y a, qui fait collection, hein, c'est rédemption, hein, de comparable avec l'œuvre enseignement Jésus-Christ. Ou pas qu'à joindre enseignement sans pas joindre rédemption, l'œuvre de rédemption de Jésus par rapport à nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que bagaille ça j'en pour faire la prédit, prédit dans Ésaïe 11 verset 1 à 9, les montrer nos qualités ça y a que et la Bible montre nous comme Jésus parce que pédagogue. On pas lire tout, même était quoi première partie verset il dit que et dans verset 2, il dit l'esprit, il est l'esprit de l'Éternel à reposer sur lui-même. Il dit esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance. Ça montre donc que divers que Jésus comme étant enseignant ça que lui a, Jean la Bible le prophète l'a montré dans temps messianique là que il n'est pas étonnant que la Bible lui révèle à nous-mêmes que Jésus comme étant Messie qui vient capable de venir éduquer dans nos sens. Ça montre que comment connaissance là vient faire appel à nous-mêmes. Que je dis à nous capables de reconnaître que vu que Jésus est enseignement que nous avons, excusez-moi, nous seulement ça, c'est pour nous-mêmes, la Bible dit encore, c'est un conseil sage et compréhension, mais tout passage ça, il a conclu, il a montré que remarquable responsabilité ou bien qui fait sens, Jésus-Christ, c'est la connaissance du Seigneur, remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer, dans Isaïe 11, verset 9. Ça a montré nous que enseignement écriture yo poussé Jean-Élie Noir li décrit pour capable montrer que terme éducation dans livre que l'écrit yo dans page 35 montrer nous que l'œuvre rédemption éducation yo sont seuls pas gagnon de son lot et dans Jean 3 verset 1 à 3 que nous capable rappeler que et rencontre qui était avec Jésus Nicodème question qui était posée avec Nicodème. Nicodème te remarqué en Jésus ton maître parce que ça t'a dit yo façon que t'a enseigné yo li pa ta kayon l'esprit de Dieu Jean Isaïe dit anan li pour te ka parler genre de bagaille ça yo. C'est ça qui fait Nicodème faire question ça et identifier donc l'enseignement dans Jésus comme le venu de Dieu à cause de signe que Jésus t'a accompli c'est là du miracle réflexion de sens la vie. Jésus t'a porté et accepté tout ça comme yo balil moins dans origine dans don enseignement. Ça montre nous que Nicodème dans façon ça et texte a déjà dit Nicodème dit Jésus comment et qui ça capable faire vu qu'on est venu de Dieu, parlez non plus de ce qui s'en a fait pour capable de venir dans l'autre monde, dans ma paraphrase, pour capable de venir dans l'autre monde. Jésus dit non, vous avez besoin de nouveau. Et ça te porte une discussion, un problème là, avec Nicodème, parce que il y en a qui compte la loi, et qui compte toute la loi de Dieu qui a passé dans notre plat, parce qu'il n'y a pas que si simple que Jésus t'a parlé. Là, nous disons que Jésus t'a fait Nicodème comprendre que non seulement nous de nouveau, sous pas né de nouveau, ou pas qu'à ouais. Et après, dans l'autre en bas texte, ça dit qu'il faut qu'on ait de nouveau de l'eau et d'esprit pour capable non seulement ouais et entrer dans le royaume de Dieu.
Ça veut dire que l'autorité Jésus gagne sur nos façons que l'enseigner à l'autre monde fait nous sentir que notre cas Jésus vraiment son monde qui vient de Dieu. Et enseignement ça, non seulement il assure don de Dieu, mais il fait nous sentir que il est ordonné de Dieu, il est adopté par Jésus et reconnaître dans tout ça que nous-mêmes nous gagnons autorité pour nous enseigner, genre que vous-même, pasteur, docteur Étienne et pasteur Jean, de façon que nous avons enseigné, nous disons que ça n'a pas dit, nous venons de Dieu et bon Dieu, nous avons autorité pour nous enseigner d'après la Bible. Yes. Yes. That's good, pasteur Jimmy. Et pasteur Étienne, son cardinal de troisième partie, à Moïse et les prophètes. Bien. Moïse et les prophètes. Bien sûr, dans l'éducation. Pas bien que cette petite leçon, c'est éducation et rédemption. Maintenant, si que nous gardons passage que l'apôtre Paul lui écrit dans 2 Timothée 3, 14 à 17, si que nous lis 16 ans à 10 et 17, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Cela veut dire, la Bible composée de plus beaucoup de livres. Par exemple, si que nous gagnons en première partie Bible, non, que nous relais la Torah, ou du moins nous relais Pentateuque, qui ensemble de loyaux, les livres de Moïse. Maintenant, nous capables de comprendre que livre ça yo, c'est livre qui éduque peuple là, qui instruit peuple là, qui montre qui ça que doit faire, qui ça que pas doit faire, ni au point de vue sanitaire, ni au point de vue et physique, quelque soit au point de vue mental, sur tout dans tout domaine. Donc livre ça yo éduque peuple là, yo instruit peuple là. Ça veut dire les cinq livres de Moïse, donc ce sont des livres en éducatif que y a. Maintenant, nous capables ouais aussi que dans le livre de dans Torah, dans le livre loyaux, eh bien c'est eux-mêmes qui régit, qui régler relation peuple avec prochain yo et relation peuple aussi avec bon Dieu. Yo. Par exemple, nous gagnons encore l'autre deuxième partie qui dans Bible nan, lorsque nous prend prophète yo. Lorsque nous gardons tout prophète, ni petit prophète, ni grand prophète, nous gardons gros prophète, et petit prophète, nous gardons ouais que livre ça yo maîtrisé éducation. Parce que lorsque y a pensé yo qui j'en pour vina, que retourner à bon Dieu. Côté que, wap vivre dans ça pas bon. Wap vivre dans la corruption. Wap vivre dans l'immoralité. Tout livre prophète yo, c'est ça que vous fait. Yo essayer exhorter nous, ban nous un message d'exhortation pour retourner nous à bon Dieu pour que nous prenions conscience. Maintenant, nous capable voir que l'autre partie qui était dans Ancien Testament, nous capable voir c'est un livre ça yo, par exemple, nous gain livre Esther, ou gain Ruth, ou gain Daniel, ou gain Job, mais dans tout livre ça yo gain aussi un but, un objectif en éducatif. Côté que yo enseigner nous. Par exemple, le livre des psaumes, ce sont des livres pédagogiques. Par exemple, ou gain psaume premier, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc tout ça ce sont des enseignements. OK? Donc livre psaume là, ou gain psaume 73, ou gain psaume 37 encore. Ce sont des sommes pédagogiques qui montrent nous, côté que psalmiste yo écrit yo pour capable aider nous pour éduquer nous. Éduquer nous dans qui ça? Éduquer nous pour que nous capable rapprocher nous plus près de Dieu. Éduquer nous pour que nous capable comprendre le plan du salut. Éducation et rédemption, c'est ça que nous avons discuté. Maintenant, livre ça yo montre nous par exemple pour gain des sommes messianiques. Somme 23 par exemple. Non, somme 25, je m'excuse. Ce sont des sommes messianiques ou bien d'autres encore. Mais dans somme ça yo montré ou qui Jean plan rédemption formé, qui Jean Jésus venu pour capable ban nous la vie éternelle. Mais ainsi que nous tombé, nous quittons l'Ancien Testament, nous venons dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament li rempli aussi avec idées éducatives. Non. Et le Nouveau Testament a un objectif éducatif.
Par exemple, lorsque nous avons parlé de parabole Jésus, ok, il a instruit nous, il a éduqué nous. Jésus qui utilise des paraboles, des choses qui sont simples, des choses dans la nature, pour que le capable éduquer nous. Sermon sur la montagne de Jésus. Maintenant, tout ça, ce sont des façons que auteur yo utilisé pour que capable éduquer nous. Nous gain par exemple les lettres pastorales. Par exemple, nous gain les écrits de Pierre, ce sont des lettres pastorales. Nous gagnons lettre apôtre Paul yo. Yo tout yo commencé pour que yo capable yo commencer d'abord par la proclamation de l'évangile, mais yo terminé par des informations éducatives. Des informations qui capable aider nous pour que nous capable apprendre la vie, apprendre connaître Jésus, apprendre connaître le plan du salut pour que nous capable gagner la vie éternelle. Et nous voyons dans le dernier livre, non? Le livre de l'Apocalypse, livre ça encore, il paraît comme un livre pédagogique, parce que il enseigne nous tout ça qui vient pour arriver dans fin temps, tout ça qui vient pour arriver avant que Christ retourne. C'est ça qui fait, il enseigne nous qui ça que nous devons faire pour que nous capables de gagner la vie éternelle. Si que nous lisons dans Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 5, les versets 1 à 5, il dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre et ni le regarder, etc. Maintenant, nous sommes capables de voir que le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il y a encore un livre pédagogique, un livre qui a base éducative, qui montre nous qui ça peut arriver dans fin temps et qui ça que nous devons faire pour que nous capables gagner le salut éternel. Well, si vous permettez moi ajouter docteur Étienne Bastel-Louis-Jean, notre texte là, s'il vous plaît dans 2 Timothée 3:16, je suis capable de remarquer comment que l'apôtre l'a décrit une navigation spirituelle pour parcourir nous sur la terre. Vous remarquez, il dit pour doctrine, ça veut dire que non seulement doctrine dans l'île pour les deux, lorsque nous sortons dans la route que bon Dieu mettait nous en, pour qu'on puisse retrouver nous. Vous pouvez là, c'est seulement ça pour faire nous compte, les nous off, les nous sortir dans la route là pour nous retourner. Correction, pas de monde qui n'a pas besoin de correction, c'est lorsque, comment pour nous retourner dans la route là. Et instruction pour qui ça c'est pour que nous capables connaître comment pour nous rester chita sous l'instruction l'enseignement de Dieu et parce que c'est une très belle façon que docteur Étienne et l'a mentionné lui mais tout avant que pasteur lui j'aime d'avoir demandé pendant la tout fait intervention n'importe mercredi a parlé des hommes et des femmes pleins de sagesse. Et comment, dans quel sens que tu as parlé, nous, là, des hommes, des femmes, des sages, pas ajouter sous ça qu'il a dit avant dans le son. Alors, c'est une belle partie, des hommes et des femmes pleins de sagesse. Et nous, il y a un autre thème nous habitons ici, lorsque nous parlons de l'école, études, éducation, université. Eh bien, thème ça est clair pour nous-mêmes, en tant que nous vivons là, dans l'époque, pas nous, nous comprenons ça, vous l'avez dit. Mais dans la Bible, thème ça n'a pas existé. On ne va pas lire l'école, l'université, on ne va pas voir ça dans la Bible. La Bible, dans l'Ancien Testament, il a utilisé de préférence un mot qui est très commun, qui parlait de sagesse. Lorsque on dit sagesse, il parle d'un paquet de bagages. C'est sa partie à plus. Dans l'éducation, la sagesse joue un rôle vraiment important. Donc, c'est dans les raisons ça qui fait, on dit, dans l'Ancien Testament, on a parlé des femmes sages. Des hommes sages, de grandes sagesse. Par exemple, lorsque nous prenons 1 à 4, verset 29 à 34, nous allons aller tout pour nous, nous décrit comment Salomon, il y en a qui a plus sagesse qui par exemple existait dans le monde. Dans verset 30, il est dit, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il n'y a pas jamais eu un monde comme ça. Il était tellement éduqué, dans verset 32, il dit, il a prononcé 3000 sentences et composé 1050
cantique. Mais comment monsieur était sage? Donc, il a parlé sur les âmes. Monsieur, il venait déjà de tous les recoins pour entendre la sagesse de Salomon. Donc, Salomon, il décrit comme un grand homme, un homme de sagesse. Donc, pour nous, longtemps, on va parler de l'école. La sagesse, c'est lui-même qui devrait nous parler de son synonyme de connaissance, de savoir, d'éducation. Salomon, il a une grande sagesse. Ça veut dire que c'était un homme instruit que le payait. Lorsqu'on prend le proverbe, lorsqu'on prend Ecclésiaste, il y a une déclaration qui a fait dans le proverbe. Mais Ecclésiaste, ouais, c'était un monde qui était instruit, c'était un monde qui était formé, c'était un monde qui était sage. Tout. Lorsque nous songeons l'histoire de deux filles qui ont petit, et puis une abdomen en bas, l'autre là, mourir, changer petit, l'autre là, mais Salomon vient avec sagesse, lui, je viens vraiment mort. Donc c'est quelqu'un qui a une sagesse. Donc, nous, ouais, éducation, aujourd'hui, nous parlons d'éducation, mais longtemps, la Bible parlait de sagesse. Sagesse ou éducation, c'est similaire, si nous apprenons tant longtemps, à temps qu'on y est. La sagesse, c'est quelque chose que nous apprenons, debout tout petit. Dans mes parents, dans mes mamans, dans mes frères, dans mes parents qui ont éduqué. Mais on apprend, la sagesse, c'est l'œuvre de toute une vie aussi. La sagesse, c'est pas seulement quelque chose qu'on apprend, mais c'est quelque chose qui est pratique. Par exemple, par exemple, lorsque Abdou la fourmi qui a préparé et bien manger lui parce que il est valvini. Donc ça c'est la grâce, c'est la sagesse. Comment fourmi fait qu'on est pour serrer manger lui en bâtet parce que qu'on est il est valvini pas faire il va pas monter la mouiller. Donc c'est la grâce. La sagesse c'est pas seulement pratique, mais la sagesse c'est aussi théorique aussi. On voit, il commence par la foi. La sagesse commence par la foi en Dieu. Et j'ai dans un proverbe de Salomon dit et au commencement pas vrai la sagesse la crainte de Dieu c'est le commencement de la sagesse. Donc ça veut dire qu'il commence avec la foi. La sagesse pas répondre seulement, la sagesse pour vivre bien. La sagesse pour vivre en monde responsable, en monde respectueux, il faut vivre bien l'autre monde qui vivre au côté vivre bien tout ou pas manquer au dégât. Dans l'église, ou capable comme si dans l'église à Paris, nous avons monde qui passe à dit n'importe bagaille à bouche li, des fois c'est n'importe monde, il frappe pile, Jean voulait faire toute bagaille. Donc dans Jean décrit la sagesse de nous, eh bien nous ouais, c'était la connaissance, la sagesse aussi c'est la connaissance, pas seulement pratique, théorique, mais aussi c'est la connaissance. Dans d'après Jérémie 18 verset 18, il dit le roi de l'enseignant c'est les pleins de sagesse et sagesse à considérer comme aussi quand on prêtre et un prophète. Donc lorsqu'on prend sagesse, on prend prêtre ou on prend prophète, eh bien c'est enseignant yoyé. C'est au cap éduquer, au cap former de la parole de Dieu, sur bon Dieu qui a interprété la parole de Dieu. Donc ça pousse à repasser Étienne passer Dimi en tant que pasteur, nous avons un rôle d'enseignant. Yeah. Pour nous éduquer moun yo, pour nous former moun yo, pour nous même agir en sagesse, pour nous même pour capable gagner la sagesse aussi parce que c'est ça qui capable instruire moun yo sur la loi de Dieu, c'est ça qui capable instruire moun yo sur la seconde venue de Dieu, c'est ça capable moun yo des conseils éducatifs sur message de la part de l'Éternel. L'autre bagaille ça que nous capable comprendre d'après tout ça que on dit et nous dans la leçon c'est que yon moun gen doit gen on moun gen doit brillant intellectuellement ou gen doit gen en pile connaissance ou gen doit on savant yon érudit yon scholar ouais c'est ça voilà. et puis au passage la sagesse donc deux côtés que ou capable joindre ou capable apprendre sagesse. C'est premièrement dans la parole de Dieu, là où on a crainte pour l'Éternel. Yeah. Et deuxièmement, dans la formation la caillou. Formation qu'on prend dans la maison, là quand maman papa. Si que maman papa pas sage, il n'y a pas rien que vous formé pour que vous vienne sage. Ça veut dire que quel que soit niveau d'éducation, donc ou pas ka sage. C'est ça que fait Salomon. Li déclaré dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 1er. Li dit jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse,
Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Ça veut dire, pour gagner la vie, Jean Couvlé. Jean Couvlé. Mais lorsqu'on sage, maintenant, on a une crainte pour l'éternel. Lorsqu'on sage, on connaît que, on respecte les principes du royaume de Dieu. Parce que, après tout le temps qu'on a passé sous terre, il y a un jugement qui est réservé. Ça veut dire que on doit vivre Jean Couvlé, mais apprendre pour que vous songez que, on comparaître au jugement. Ça veut dire que les bons, pour que quel que soit monde, les amis téléspectateurs, captant des noms là, hein, quel que soit hauteur, quel que soit position, ou besoin pour que vous apprenne pour sage. Il y en a un bagage, moi, parce que lui, j'en suis dit à l'heure, qui est très fort, ça conduit mal, il dans Somme 111, qui est vraiment la façon que l'expliquer parti ça. Hein. Il dit la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans toutes sortes de passions, les gens, et en tout cas, mieux tout cas, comprendre tout, que pour gagner la sagesse, il faut qu'on ait bon Dieu. Et dès qu'on ait bon Dieu, on connaît ça que la sagesse l'a venu. Mm-hmm. Et c'est ça que fait Audi, ça dit à Pasteur Zimi, c'est ça que fait Audi. Mm-hmm. Lorsqu'on sage, les gens qui boivent au toyo, on vit en responsable first. Et les gens qui boivent au toyo, tout y a vivre bien. Amen. Parce que lorsque sage, ce n'est pas tout le bagage qu'on dit à Bouchou. Mm-hmm. C'est pas tout comportement à pas afficher, c'est pas tout bagarre à faire. Okay. Donc pour ça il faut que connaissance bon Dieu, il faut que la crainte de Dieu. Mm-hmm. Immédiatement que on la crainte de Dieu, moi connais l'autre monde formé à l'image de Dieu. Mm-hmm. Puisque l'autre monde formé à l'image de Dieu, moi même formé à l'image de Dieu, mon avis frère. Yes. Si on pas capable dit tête mon bagarre, pas capable dit mon même bagarre ça tout. J'aime pas qu'à traiter tête, non, pas qu'à traiter bon Dieu, pas qu'à traiter frère là avec frère là, comme ça tout. C'est ça, c'est connaissance là qui vient autour de la crainte, de la connaissance, de la sagesse de Dieu. Si nous sommes dans l'église, nous ne pouvons pas marcher bien, c'est parce que nous avons un manque de relation, un manque de connaissance, un manque de crainte, ou on a dit un manque de sagesse qui fait que nous voulons arriver là. Donc nous faisons pour nous demander, bon Dieu, pour lui, ben nous la sagesse. Pasteur Dumi. Oui. Et ça, comment capable de nous de partie jeudi qui parlait de l'éducation dans l'église primitive. Il y a une question que vous avez demandé à partir de ça, qui comment l'éducation était dans l'église primitive là. Et le moment de questions comme ça, assurément, tout m'a tout fait question à nous-mêmes tout, pendant nous pas faire commentaire. Je dis nous, il y a un principe remarquable dans l'éducation dans la Bible qui émerge par Jésus-Christ, c'est l'enseignement divin, il prépare les disciples avant de quitter. Il pas quitter au seul, il te fait dans façon clairement et il dit nous pendant 3 ans et demi, Jésus te fait que t'a consacré dans le lycée nous dans l'école là façon que t'a aider au université là dans période ça pour capable suivre comment et il doit étudier capable des connaissances de ça capable débrouiller lorsque Jésus quitte au seul. Ça montre que Jésus nous tellement te fait preuve de discernement et de dispenser yo disciples avec une fonction qui t'est conjuguée qui t'est titulellement sous le Saint-Esprit. Ça veut dire que et dans le sens ça que moi-même, il faut me comprendre que Saint-Esprit a li pa éducateur non mais il joue rôle pour venir dire non qui ça éducateur a dit nous pour nous faire. Et ça que lui dit que non seulement et Jésus vient identifier lui comme consolateur ou défense Jean Bourguet l'a dit là Paracletos qui montrait que donc qui ba disciple et de Jésus Mathieu il comment capable entrer dans identifier avec Jésus-Christ lui par l'intermédiaire de l'esprit de la vérité. L'esprit a n'est pas identifié comme un éducateur, mais l'œuvre de l'esprit a est assurément comme une pédagogie, un pédagogue pour notamment enseigner de ça que Jésus-Christ dit à savoir de la vérité. Ça veut faire comprendre que comment apôtre Paul lui-même était bas aspect important sur éducation ça. Il montrait que l'Église corinthe là lui-même dans façon qu'on l'autre voilà le visiter, il était important. Pour te baser éducation sur Jésus-Christ ou sa crucifixion de Jésus-Christ. Là, montrez-nous que comment moi avec vous-même que lorsque nous gagnons la crainte de Dieu, lorsque nous connaissons Jésus, nous proclamons l'évangile de Jésus, nous faisons l'amour de Jésus, la résurrection de Jésus, le retour de Jésus, montrez-nous que nous avons assez formé de base éducation que la Bible a parlé, que nous faisons que nous gagnons tout aspect, je compte dire là-bas sur les gens, que nous connaissons que nous créons l'image de Dieu, c'est-à-dire le monde qui va compter dans tout, ça me connaît de Dieu, nous dit là lui-même tout de façon claire. Pour comprendre qui est Jésus aïe dans moi-même. Ah, yes. Les parties, ça a connecté avec la première partie qui dit parler l'œuvre de la rédemption.
Jésus, c'est lui-même qui vraiment éducateur, pas vrai, il éduque les disciples, il a un modèle de gens pour enseigner. Lorsque la lèvre dit la voyez, c'est l'esprit de monsieur. Monsieur, l'esprit a vraiment prouvé, monsieur, qui mon Jésus-Christ est, et à travers, avec l'esprit, monsieur, capable de faire l'œuvre Jésus-Christ. Parce que l'œuvre là, c'est une œuvre de rédemption, pas oublier ça. Donc, c'est une œuvre de rédemption qui parlait dans le cadre de l'éducation. Donc, Jésus qui c'est éducateur, c'est lui-même qui est principal là. Donc, puisque toute rédemption en net est basée sur Jésus, depuis dans Genèse 3 jusqu'à dernière page Apocalypse, donc Jésus-Christ vient nous montrer vraiment comment enseigner. Maintenant, le modèle enseignant que nous gagnons, c'est Jésus et la sagesse. Et Jésus tellement gain sagesse, ou en pile cas, comment Jésus parlait, même les disciples de Jésus viennent gain sagesse. L'apôtre Paul lui bon côté. Il n'y a pas que Dieu, mon y aurait même Dieu, il y aurait toute qualité Dieu, Dieu soleil, Dieu la lune, Dieu tout bagaille. Et puis, apôtre Paul, eh bien, lorsque nous rencontrons avec Jésus, sagesse lui, lorsque nous avons parlé à nous, nous avons parlé à nous, il dit, moi, content, moi, nous sommes peuple qui religieux. Mais nous ne viennent parler nous là, nous ne pouvons pas dire ça, sans Dieu, nous ne pouvons pas connaître. Au lieu que la critiquer yo pour la dire c'est bien bagage ça dans faire là vous jeter c'est de même dit nous rien doit servir au vous faire nous pas doit faire non il dit mais bon Dieu m'a parlé nous là mon gros Dieu ça c'est la sagesse qui a parlé ou parfois c'est mon avec ça de gagner mon ramener mon avec Jésus donc c'est la sagesse la connaissance qui a parlé ça dit avant docteur Étienne entre dame le texte ça dit tellement fort pasteur Jean et lorsque David a arrêté Jésus. Et la Bible nous dit que le voulait n'est que tourner Jésus pour son parvenir avec Jésus. N'est que dit que pour moutre sortir tellement fort et en façon de enseignement de sagesse, la Bible nous dit que là, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous faites ce dit ça pour sagesse que Jésus n'en lit, pas qu'un monde qui attend de Jésus-Christ pour pas convertir. Bien, l'éducation dans l'église primitive, ça que nous capables, ouais, le son que nous capables apprendre nato. C'est que disciple Jésus yo était avec lui, Jésus qui t'a enseigné, il t'a éduqué, formé pendant 3 ans et demi. Cependant après période ça, éducation pas traité là. Éducation pas fini. Et ça que Jésus Christ promet pour te voyer à l'Esprit Saint pour capable continuer guider, continuer instruire dans la vérité, dans la justice. Donc cela veut dire nous-mêmes après que nous fin accepter Christ comme sauveur, non, pas penser que nous déjà gain maturité, nous besoin continuer pour que nous capable éduquer, continuer pour que nous capable former dans la parole de Dieu, parce que c'est ça messieurs de fait les apôtres, quoi que Jésus-Christ monté, mais éducation que était recevoir dans mes Jésus-Christ, hein? Eh bien yo continue yo gain maturité qu'on y a, yo continuer à exercer li, à appliquer li. Et à l'aide de l'Esprit Saint qui a guidé eux, donc ils toujours continuent dans la même voie. Mais en pile monde, lorsque ils finissent passer en période d'apprentissage, par exemple, ils connaissent que ils finissent mettre, ils connaissent que ils ont maturité, ils connaissent qu'ils ont pas apprendre encore. L'éducation est là de toute une vie. C'est ça lié. Ça veut dire tout autant que Christ pas encore retourné. Nous-mêmes chrétiens, nous toujours à l'école du maître. Okay. Même si Jésus parle encore, mais à travers le Saint-Esprit, donc nous encore à l'école du maître, nous toujours à apprendre jusqu'à ce que Christ retourne. C'est ça que fait, pour nous faire un peu l'attention. Alors, on a fait application, leçon pour l'église, yo, pas vrai, parce que nous faisons un peu l'application. Nous comprenons que quelqu'un ne peut pas être l'église, l'idée, il tout connaît net, il va apprendre rien. Ils sont pas capables de dire absolument rien. Donc l'Église fait pour qu'on ait whatever mon niveau est bas ou à ça mon nakabao à et pour apprendre c'est pour tout grandir. Nos dirigeants font tout à notre formation. Lorsque conférence là font bagay aller dans formation. Lorsque à font séminaire aller dans séminaire là. Tout on apprend plus, on connaît plus, on gagne plus sagesse, on peut servir plus bien. Les disciples pas traités seulement ils continuent, c'est l'Esprit continue avec eux à pour tout faire même bagay. Pasteur Étienne, pasteur Dimi, il y a une Bible, il y a un livre dans la Bible qui pas une conclusion parce que la vraie conclusion jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne, c'est l'acte des apôtres parce que c'est un livre qui démontre comment l'église t'a formé formation l'église, éducation jusqu'à Jésus-Christ vienne nous voir une fois. Amen. Yes. Amen. Bien, mes chers amis auditeurs et téléspectateurs, nous au t'attendez la vérité présente qui t'a été diffusée à vous-même, la 8e leçon de l'école du sabbat.
qui te gen pour titre éducation et rédemption. C'est une belle leçon qui montre que nous doué pour que nous capable toujours continuer pour que nous former nous pour que nous capable comprendre exactement le plan de la rédemption qui ça que lié et nous t'ai parlé de à l'image de Dieu. Côté que c'est en partie qui est très importante, très intéressante, très fascinante. Côté que nous pensons que a bien en pile question durant week-end non? Parce que qui ça formé à l'image de Dieu en yé? Est-ce que le fait que ou à l'image de Dieu, est-ce que gain Dieu tant pour bon Dieu ou gain main, c'est comme ça on décrit bon Dieu. Je décris lui un personnage avec main, avec pied, avec tête tant pour nous qui semble avec humain. Mais est-ce que c'est ça, ça veut dire créer à l'image de Dieu? Nous t'ai déchiffré le pour côté que nous t'ai montré que lui basé sur la spiritualité, lui englobé la spiritualité. Bon Dieu saint, bon Dieu saint, c'est un Dieu de sainteté qui sans péché. Donc lorsque il t'a créé Adam et Ève, il t'a créé Adam et Ève sans péché. Donc Adam et Ève t'est semblé avec bon Dieu. Dans au point de vue sainteté, t'est semblé avec bon Dieu. C'est ça que fait après le péché. Donc nous voyons que Adam et Ève perdu l'image de Dieu. Parce que péché est entré, ils ont désobéi bon Dieu, péché est entré, ils ont perdu l'image bon Dieu. Donc c'est ça que fait au dernier jour lorsque Christ retournait, lorsque nous sauver, nous va retrouver l'image de Dieu qui t'a créé que nous t'a créé à lui-même. Maintenant capable gaper une question Jean que me dit parce que la Bible pas dit exactement qui ça créé à l'image de Dieu en hier. Donc c'est ça que nous capable dire, il était belle. Maintenant nous t'ai parlé aussi de Jésus comme enseignant. Nous t'ai montré côté que Jésus en tant que rabbi, en tant que le maître, c'est l'enseignant, c'est lui-même qui a pensé nous, qui a éduqué nous. Côté que il était enseigné les disciples, là qui était dans Pierre, côté que il a fait instruction, fait formation. Nous t'ai parlé de Moïse et les prophètes. Nous t'ai montré que Bible est divisée en plusieurs parties, en plusieurs livres. Chaque livre ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, il y a un but éducatif. Il y a un objectif éducatif. Et c'est ça que nous sommes tombés dans le dernier livre, dans le livre de l'Apocalypse. Nous disons qu'il y a un livre pédagogique aussi qui enseigne nous qui ça qui pourra arriver dans le fin de temps et qui ça que nous devons faire pour que nous soyons capables d'hériter le royaume des cieux lorsque Christ tourne. Nous parlons aussi de l'éducation dans l'Église primitive. Côté que nous montrons que disciples qui dépassaient 3 ans et demi, ils ont formé, ils ont recevoir éducation, mais maintenant, mais enseignant Jésus, nous voyons côté que ils ont appliqué, tout ça que ils ont étudié, ils ont appris. Donc nous disons que l'éducation n'est pas finie, l'éducation pas terminée après une période d'apprentissage ou soit une période d'enseignement. Éducation pas arrêtée là. Au besoin pour que vous capable continuer à apprendre, continuer à former. C'est ça que disciples ont fait, quoique Jésus-Christ quitté yo après 3 ans et demi, hein? Mais nous, Jésus-Christ te promet yo pour que le voyez l'Esprit Saint ba yo, pour capable guider yo, pour instruire yo dans la justice, dans la vérité. Cela veut dire, mesdames et messieurs, frères et sœurs, moi-même avec vous, lorsque nous entrons dans l'église, à quelle que soit connaissance biblique que nous entrons, hein? Pas penser que nous connaît pas son lot. Pas penser que nous connaît pas ses pasteurs. Nous ca pasteur tout nous ta doué nous compte plus pas ces pasteurs. C'est une fausse conception lié. Ni pasteur ni ou même nous tous nous encore à l'école du maître. Amen. Nous encore à l'école de Jésus tout autant que moi même avec ou nous pas encore mouri ou du moins Jésus qui pas encore retourné nous toujours à l'école du maître côté que nous doué pour que nous apprendre pour que nous recevoir de nouvelles informations et pasteur Olivier était bien illustré pour nous. Il faut que nous capable aller dans séminaire yo. Il faut que nous aller dans table ronde yo. Il faut que nous aller dans cours de formation qu'a fait. En pile monde pensait que yo fin connaît. Pas jamais gagne un monde qui fin connaît. Co leader, co pas leader. Donc nous toutes nous à l'école du maître, nous toutes nous besoin pour que nous continuer éduquer, continuer à apprendre, c'est ça qui pour faire nos vies sages lorsque nous gagnons la crainte de l'Éternel, laisse ça nous capable de venir un monde qui sage aux yeux de Dieu et aux yeux de la société. Bien. Mes chers amis bien-aimés, chers amis téléspectateurs, nous disons merci parce que vous êtes toujours fidèles
à la vérité présente. Et côté que nous avons présenté à vous-même la huitième leçon, qui est bien pour titre éducation et rédemption. Donc, pas oublier ça que nous toujours dit. Si que ou gen commentaire pour nous, gen pile monde qui fait commentaire. N'a tout dit amis auditeurs nous yo, nous réviser commentaire yo, nous li yo. Ou pas fait commentaire pour gen mes ou pas perdre du temps. Nous li yo et côté pour que nous porter changement, porter amélioration, la vérité présente ni considérer tout commentaire pour faire. Donc si que ou gen une question pour nous, ou capable écrire nous direct dans etienneministry@gmail.com. Ou capable visiter website non ka laisser en question là si vous voulez comme ça nous capable répondre à question yo donc nous content. Et pas oublier Jean comme toujours dit si que ou remet la vérité présente ou capable cliquer aimer cliquer like subscribe. Nous voyons un gros coup de chapeau by communauté haïtienne et tout le monde qui a écouté nous à travers le monde entier. La vérité présente aller partout. Pasteur Wilfried Mbakonde si vous regardez récemment, nous avons 517, voilà. 517 ou 518 en subscription. Donc nous voyons un gros coup de chapeau by toutes amis nous, amis auditeurs, tout le monde qui remet la vérité présente, qui est fidèle à la vérité présente, nous voulons beaucoup de chapeau bas parce que vous inscrit. Et nous demandons, lorsque vous voyez page dans le monde, dites-moi inscrit. Nous t'aimons que l'inscription nous monte à 1000, à 1500, 1400, 2000. Donc nous voulons beaucoup de chapeau bas parce que vous inscrit à la vérité présente. Et pas oublier que nous sommes encore dans le confinement. L'église yo yo encore fermé. Si vous voulez suivre Pasteur Wilfried chaque samedi, vous pouvez suivre lui sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez suivre Pasteur Jimmy sur Facebook. Vous pouvez suivre Pasteur Étienne sur Facebook chaque samedi. Et aussi chaque jour, vous pouvez suivre Pasteur Étienne sur Facebook. Dans l'émission que nous gagnons, l'heure de la délivrance, chaque jour, du dimanche au vendredi, de 11h à minuit. Branché sur Facebook live chaque soir. Nous disons merci parce que vous êtes à l'écoute et pour que nous soyons capables de terminer, nous demandons à Pasteur Jimmy pour que nous soyons capables de terminer pour nous par une prière. Bon Dieu, Papa, nous qui sommes là, nous ne pouvons pas suspendre, merci. Pour la façon que vous servez avec petit garçon, yo. Qui te présente le son, pas selon nous-mêmes, mais selon l'Esprit Saint. On va permettre que le son lui passe dans la vie nous et dans la vie auditeur capteur de nous. Et en retour, Jésus, le va retourner nous va après pour nous acclamer comme moi et Seigneur, nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous t'attendez, la vérité présente dans la présentation de la huitième leçon, qui est pour titre éducation et rédemption. Nous disons merci parce que vous t'attendez avec attention. Et n'a bon rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'était au studio, serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne, pasteur Jimmy Jean-Baptiste, pasteur Louis-Jean Wilfried. Et abdou, au revoir. Bon sabbat dans le Seigneur. Bon sabbat.